Parce que le film est tourné en 3D, moi. Alors, c'est rigolo quand même. Bon, ça, c'est un autre film. Hein. Néanmoins, je vous assure qu'il y a des mentions de ce film, peut-être plus que trois. Il faut simplement avoir le film. Un mot des producteurs, s'il vous plaît. Jeremy, Martin, you know David, you've already worked with him. It's always a pleasure, or is it easy or difficult? Very naughty boy. Quite very chanceux, quite dangerous. So was also dangerous. But I'm not a bad guy. Martin? Je vais dire que je suis ravi de travailler avec David, mais il ne part pas, il ne part jamais de travailler ensemble. Il dit on va jouer ensemble. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on collabore avec David et c'est ce qu'on a fait ici et j'espère que vous allez le voir les résultats de ça. Et bien que ce ne soit pas l'objet, juste une toute petite parenthèse pour dire que vous êtes le producteur du prochain film déjà tourné, presque prêt, mais. Oui, mais on n'en parle pas. C'était une question de décider un week-end, on n'en parlait pas. Voilà. Alors, deux habitués des films récents de David Cronenberg, Vincent, deuxième fois, et là encore, un personnage particulièrement, j'imagine, agréable et qui sera pas incarné, parce que c'est quand même quelqu'un d'atypique, un personnage haut en couleur. J'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Je remercie la ville de m'appeler toujours pour des rôles. Et vraiment, Vigo, merci d'être avec nous ce soir parce que j'expliquais tout à l'heure que votre emploi du temps est quand même chargé en ce moment. Alors, troisième expérience avec David pour des rôles effectivement vous aussi très très différents. Mais quel type de metteur en scène est-il sur le plateau? Parce que quand on connaît ses films et quand on rencontre, on a l'impression que finalement c'est un homme normal, pas si torturé que ça. Et quel type de metteur en scène est-il? Je suis un peu nasaliste. Je vais commencer pour dire que. Pour dire merci de venir. David Cronenberg est il appuie l'équipe de hockey qui s'appelle le Toronto Maple Leafs. Et je suis fan du Canadien de Montréal. Mais c'est un plaisir. C'est un honneur. Travailler avec lui, jouer pour lui. Il est un grand artiste et un vrai gentleman. Et je veux dire aussi que c'est un plaisir de rejoindre mon film et j'espère pouvoir faire un peu avec lui. Are you always surprised by the French audience? Because friends love your movies, you know that. And not always in the festival of Cannes, of course. Je pense à la surprise, mais c'est très très plaisant. Et il reste simplement à voir le film.
Je vous rappelle que le 21 décembre, vous avez la chance de voir un rendez-vous.